I repeat, we have civilians on board. Hold your fire! We are to engage and destroy all enemies in the area. This isn't a drill. This is for real. Don't be a hero. Survival is paramount. Pick off the weak ones first. Landing confirmed at Vector 110. Clear to engage. Enemy facility destroyed. Et bonjour à tous ou bonsoir à tous, on se retrouve donc pour la deuxième partie de ce Let's Play sur Ace Combat 4. On va pouvoir du coup continuer avec la flotte invisible. We will launch a surprise attack on the Aegir fleet while it lies immobilized at Conberth Harbor. This large-scale airstrike will be the largest and the most strategic operation since the transfer of HQ to North Point. You may need to resupply along the way, because this operation will be long in duration. Remember, it is imperative that you complete the mission objective and return to base safely. Donc, à nouveau une mission, on va avoir beaucoup de choses à détruire. On va aller voir un petit peu si on a débloqué des avions. On a débloqué un A10, comme vous pouvez le voir, un Mirage 2000. Alors là par exemple, on peut voir que si je prends un A10, je vais avoir 10,56 missiles et UGB le droit d'avoir 12. Et si je prends un Mirage 2000, je vais avoir 52,16, donc c'est peut-être mieux finalement de prendre ça. Et on va continuer avec notre F-16 pour le moment. Ouais, 52-14, donc on n'est pas trop mal. D'ailleurs, si, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être voir si on peut acheter des armes pour le F-16. Donc là, voilà, on a XAGM, Advanced Air to Ground Missile, donc ça c'est pareil. Donc en fait, on peut tuer jusqu'à 4 targets en une seule fois. Du coup, on va l'acheter. On va plutôt essayer de prendre ça pour la suite. C'est parti. Donc il faut faire 3000 points avant le temps limite. Initiate attack. All aircraft clear to engage any and all targets. Sink the invincible Aegir fleet while they're at anchor. Good luck. Donc là, on va directement aller chercher ça. On va essayer de se faire tous les destroyers en bas. Et vous allez voir qu'il va y avoir beaucoup de missiles antiaériens sur nous. Locked on.
peux voir le missile hein, sur la carte si vous voyez des liens. Faire attention évidemment à ne pas sortir de la carte, sinon on va retourner à la base. Là il y avait deux missiles d'un coup. On est déjà à 1000 points 180. Alors je pourrais attaquer les cibles au sol bien sûr. Mais pour le moment j'ai plutôt m'orienté sur la flotte. On va aller attaquer un petit peu le port. Là on va aller tranquillement. En fait, il faut être face à certains éléments, sinon en fait on les touche pas. Mais le missile autour de moi va arriver. On va tourner au dernier moment. Et oui, pour se faire ce genre de bateau, il va falloir se mettre face à lui. Là, c'est bon. Ça va, il nous reste encore 11 minutes, hein, on a largement le temps. Là par exemple j'ai loupé. On va changer de missile. Les missiles qui vont tomber et boum, 4 d'un coup. Ah c'est bon, il fallait qu'un missile pour lui. Et la question que je me suis toujours posée dans ce jeu d'ailleurs, c'est est-ce que le fait d'être beaucoup d'éléments ou pas beaucoup, est-ce que ça influe pour les autres missions? Ce qui serait d'ailleurs vraiment génial. Ouais, je joue un petit peu. Ouais, c'est bon, on détruit le submarine. Ah, il me reste 17, par contre, j'ai plus d'autres multiples. Et on est à 2000 points, 2500 sur 3000 points. Et on va aller chercher à nouveau le submarine, sauf qu'on va essayer de se... Là on est pas en face en fait, donc on va pas le toucher. Et on va retourner à la base d'ailleurs bientôt. Et
là on est en train de leur mettre un sacré paquet de dégâts dans la tronche, mine de rien. La même chose. Je pense pas que le sous-marin puisse se toucher de ce côté, donc on peut essayer. Ah si, c'est bon, on peut le toucher des deux côtés, c'est parfait. C'est une mission qui est assez longue, hein, vous l'aurez compris. Mal placé. Bon, on va faire un tour d'un petit peu. Je suis encore du mauvais côté, c'est quoi ça veut dire? Bon bah décidément, il me semble de faire exprès. On va aller taper le crâne à la place. Donc là c'est un avion qui m'envoie le missile. On va vite tourner au dernier moment. Voilà. C'est qu'il y a les sous-marins qui essaient de partir en fait. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir et on va aller ravitailler. Et à la limite, si sur le passage on peut taper un bateau ou deux, il nous reste 4 missiles. Il y a un avion qui fait n'importe quoi, regardez sur le casseau. C'est assez bizarre. Sam destroyed. On va retourner à la base et on va ravitailler. Et on va faire un peu vite parce que du coup, il nous reste 6 minutes pour marquer le maximum de points. Et on va faire take-off. Mobius 1, you are cleared for take-off. En plus, on se recule juste devant l'ennemi, c'est magnifique. On va aller chercher du coup. Les autres sous-marins. Enfin, un peu pareil. Là on a 7% de dommages, donc pour le moment ça va. Bon là on a un peu tout détruit, donc on va... Enfin, il y a beaucoup de choses à détruire, j'ai envie de dire, mais
On a bouffé le principal. On va du coup aller chercher le point haut, tout en haut. La mission est allée tellement vite qu'on a pas le temps de nous rattraper en fait. Alors là, ça va être plus compliqué, il va y avoir beaucoup de monde. Il ne reste plus que 7 DMG. 7 XAGM, pardon. Il nous reste 0. On va en faire avec. On a le rang S, hein. On a 5200 points, donc déjà c'est mission accomplie. Il nous reste 2 minutes à passer. Vraiment beaucoup de dégâts. Il en reste 1 minute 20 pour voir quelques kills encore. On va faire un petit rush là-bas, il y a quelques bateaux. Il nous reste quoi, 26 missiles, ça devrait être largement suffisant. Bon, il nous reste 30 secondes hein, de toute façon. Tous les cruisers qui restaient, il reste 9 secondes. Sky Eye here. Enemy fleet and harbor facilities confirmed destroyed. Et il me semble qu'on s'est fait tous les bateaux existants. Enfin, je pense pas en avoir oublié beaucoup en tout cas. Ça fait 6000 points, ce qui est quand même pas mal. The Erujian's so-called invincible fleet has been destroyed. Their plans for invading North Point have been delayed indefinitely.
Although we are still far from triumphant, this victory gave our troops a much-needed boost in morale. Your next mission is to attack the solar power generator plants in the Faith Park region. These generators equal nuclear ones in output and provide about 60% of the energy for the Erujian's military industrial complexes. Since they do not require oil or uranium supplies, we cannot stop power production by interdicting their supply lines. This deep strike mission will not only cripple the Erujian's industrial output, but also divert attention from our own imminent invasion plans. Donc ici, on va attaquer une centrale à énergie solaire. Petit aparté d'ailleurs en parlant de ça, sur la carte du jeu que vous voyez au début de chaque mission, il faut savoir qu'il y a des missions dans sur cette carte qui sont communes en fait à celle de S-Combat 2. Et des lieux de mission en fait, enfin à peu près des zones de mission sur la nappe monde qui en fait existent déjà dans S-Combat 2. Voilà, ça c'est pour la petite anecdote. Donc voilà ce qu'on va attaquer. On va aller voir un petit peu ce que l'on peut acheter. Donc on a le Mirage 2000, puisque là tout va bien. On a un F-14 Fighter, on commence à avoir des bonnes stats, hein, comme vous pouvez le voir là, vitesse, air to ground, on commence à avoir des bons avions. On a un TND U5, alors lui c'est plus pour l'attaque au sol. Un petit c'est un multi-roll. Franchement je pense qu'on va prendre tellement d'argent. Et j'ai accélérant. Voilà, on va prendre ça. On va acheter un F-14. Et on va l'utiliser. Voilà. Et on a par défaut d'ailleurs des XLA. Par contre c'est air-to-air missile, du coup attendez, on va juste revenir en arrière et on va voir si on peut acheter des avions pour le F-14 pour pouvoir faire l'attaque au sol. Bon bah du coup voilà, ça revient au même, on va devoir acheter BMG de départ. Bon c'est pas grave. Vous avez remarqué qu'il y a énormément de canyons sur la carte. Et vous allez comprendre un tout petit peu plus tard en fait pourquoi ils vont être intéressants pour nous. J'ai jamais compris l'idée de toujours envoyer des avions qui vont suicider sur nous, mais bon, c'est pas grave. Esquiver normalement. Après peut-être pas. Mais c'est pas l'important. Pour le moment, ce qui va être important, c'est d'aller attaquer les panneaux solaires. Le problème de notre F-14 c'est que c'est un bon avion, mais c'est pas le plus maniable. AA guns destroyed. Enemy
On a 13 minutes, hein, donc on a à peu près le temps pour pouvoir faire ça. Essayer d'envoyer la bombe directement dessus. On va juste voir ce que ça fait comme dégâts. On peut l'attaquer même avec les mitrailleuses, il me semble. Ça fait être limite, ça a vraiment fait être limite, on va juste le prendre. Alors je n'ai pas fait le bon choix d'avion finalement. Quasiment fini la première partie. Bon, pour l'instant c'est l'attaque au sol, hein. Ça n'a pas beaucoup changé, vous aurez compris. Donc là maintenant on va aller pouvoir attaquer. Oui, c'est un petit cratère donc il faut faire attention. Voilà, maintenant. Là, je me suis loupé par contre. Oula, je suis loupé. C'est une issue dans la tronche. Le sang est en A, tout va bien. On va essayer d'avoir le en S évidemment. Voilà. On fera les targets en rouge à la fin, évidemment, vous aurez compris. Mais ça l'a pas tué par contre, il va falloir reprendre. Voilà. Donc pour le moment, voilà, on n'a pas le rang maxi. On va aller se faire quelques avions. Il nous reste 8 minutes.
quand on aura plus de missiles, on ira attaquer le... Quand on aura plus de missiles, on ira... enfin il en restera deux missiles, on ira attaquer la petite base en face. Enfin, le dernier point. Voilà, 60 points, il nous reste 9 missiles. Faut que je fasse attention au temps, restant quand même. Chercher celui-là, le TND. Il y aura 5 missiles. Bon, le problème, c'est qu'ils sont un peu loin, les autres. On va quand même aller chercher. Bon, il nous reste un missile, on va l'utiliser pour là-bas. Et on va aller chercher le dernier point. Ouais, j'aurais bien voulu prendre les deux autres avions, mais bon. C'est pas grave, on va pas tout faire non plus. Et là, je vous laisse découvrir la suite du jeu. Donc là concrètement, on a le missile Stonehenge qui est en train de nous démonter. Donc là je fais vite, parce que j'ai pas de missile, hein, vous l'aurez compris, donc je peux pas me je peux même pas attaquer les... Même pas attaquer les hélicoptères qui sont à côté de nous. Et vous voyez tous les ennemis sur la carte, il y en a énormément. Et elle est sortie de la zone. Voilà. Donc déjà vous aurez compris le premier un des premiers avancements dans le scénario. The mission succeeded, but the combat losses due to Stonehenge were higher than expected. Victory will elude us until it is eliminated.
At some point, I realized my uncle, my would-be guardian, had vanished. Maybe the secret police dragged him off for some drunken comment he made. Maybe he chose to disappear. I didn't have anyone to turn to, so I found myself living as if I were a member of the Yellow Squadron. Everybody in town scorned the barkeep for doing business with the enemy. In reality, he and his family were members of the resistance, gathering up intelligence information from enemy customers. His daughter protected me. But that was only because of my tender age. The barkeep and his family were the real heroes, while I, on the other hand, found a haven among the enemy. Satellite will be launched from the Kimona Islands rocket base to support our mainland operations. The Irusians responded by deploying a large number of their air superiority fighters to prevent the launch. A large-scale air battle is expected. We must win this battle to maintain our air superiority. We've only got one window of opportunity for this launch. Shoot down as many fighters as possible to preserve top cover over the rocket base. Alors cette mission est vraiment pas facile dans le sens où il y a un monde énorme sur la carte, vous allez voir, regardez-moi ça. Et surtout ils sont tous en même temps, donc ça va être compliqué. On va voir un petit peu ce qu'on a débloqué en termes d'avion évidemment. On a un F-18 multirole, ça pourrait être intéressant. Un F-18 multirole avec une bonne défense. Il y a quoi, les UGBM. Multirole carrière. Non, on va garder le F-14 finalement. Par contre, au niveau des armes choisies, on va prendre évidemment l'autre arme. Voilà, on va prendre le XLA, Advanced Long Range Air-to-Air Missile. En espérant que ça nous serve un petit peu pour la suite. Et surtout, alors, il faut marquer 800 points avant la fin du temps imparti. Et je vous laisse avec la musique qui est assez féroce. Bon ben là j'ai trash deux missiles, tout va bien. Ça commence bien, bon c'est pas grave. Allez, on va se faire un... on va essayer de faire des avions. Ah, ça va être compliqué. Hein. Vous allez voir qu'il y a des avions qui ont plus ou moins de niveau. Pour vous rendre compte, par exemple, là on a des oranges, et l'orange c'est des yellow, hein, donc c'est pour ça que ça devient compliqué.
Ça fait beaucoup de points, mais c'est très compliqué. Regardez, il m'a mis un gros vent. Je l'ai hit une fois. Waouh, et là on va vraiment perdre des missiles pour pas grand chose, allez voir. Faut réussir à les surprendre d'un coup. Vous avez vu la différence de skill? La miss encore. Je l'ai miss encore, hein. Incroyable. Donc on va aller faire un E-767. Que j'ai pas tué beaucoup d'avions hein, pour le moment. Là, c'est vraiment plus compliqué. Là c'est bon. Il faut 800 points, je rappelle, même pas sûr de les avoir. Il y a des avions qui sont vraiment super manœuvrables, ce qui n'est pas trop notre cas. Bon, on devrait pouvoir l'avoir, hein, les 800 points, mais pour avoir plus que 800 points, il va falloir pour le S, il va falloir beaucoup plus que ça. Il y a une mission un peu similaire dans Ace Combat 5 d'ailleurs, et qui est. Vous avez vu mes ailes qui se déploient à chaque fois, c'est assez violent. Ah, il nous reste 2 minutes. Il me reste 24. Là j'ai le rang C au moment, ce qui est. Bon, c'est le minimum. Hein. On n'aura pas le rang S, hein, vous en doutez. Là par contre ça va être. Oh bah voilà, perdu, super. Il y aura 56 secondes. Mais il dit de ne pas voler en ligne droite, ce qui est logique. Il reste 28 secondes. Et je peux vous dire qu'avec les comment ça s'appelle?
Avec les Yellow, on aurait perdu tellement de temps. Il reste 8 secondes. Le pire, c'est qu'on la miss encore. Donc là, on va aller chercher on va rusher un petit peu et on va l'attaquer les bombes. Par contre, j'ai que 9 missiles. C'est des V2, hein, d'où le fait qu'ils soient, comme ils appellent ça, furtif, stealth. Il ne reste plus que 9 missiles XAR. Ouais, ça m'aurait étonné que j'en touche un, mais bon. Ça m'étonne même pas qu'on les mise en fait. On va revenir à la base, qu'on a plus de munitions. Il reste 2 minutes pour y retourner, donc on va faire vite. Alors ce qui est énorme, c'est qu'on a le temps de s'arrêter et repartir 30 secondes. Box 3, Bandit at 12 o'clock.
Il reste 52 secondes. J'ai pas eu le rond S. Ça s'est joué à pas beaucoup. Bon, c'est pas grave. En tout cas, les missiles, les quadrimissiles nous ont quand même pas mal servi. Vous avez vu que les zéros, les yellows, je sais pas comment les zéros, sont partis. En plein combat, ils ont leave. Bon, du coup, on a que le rang A, malheureusement. Mais bon. It won't be long now. It won't be long till it begins. The barkeep's daughter confided to me. As a member of the resistance, she eagerly awaited the Allied counterattack on the mainland. What will happen to these people when the Allies come? I asked, to which she frowned. We'll run them out. This is our town. But I knew she didn't mean that from the bottom of her heart. 13 had captured her heart. I knew this from the way she shot jealous glances at his wingmen. As other pilots rotated out of Yellow Squadron, Yellow 4, 13's wingman, always stuck by his side, even on land. The only female pilot in the squadron, she had Yellow 13's absolute trust as his wingman. Yellow 13 seemed oblivious to all this, and instead reviewed the promising enemy pilot's performance from yesterday's skirmish. He's so close. If he manages to stay alive for just a while longer, that pilot could be a worthy opponent. But when there were no such enemies to look forward to, 13's eyes were sad. Voilà, donc on va s'arrêter là-dessus, puisqu'on est quasiment à l'heure, donc on se retrouvera pour la prochaine partie, dans la prochaine vidéo. Tchou tchou tout le monde.